les potes, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Overwatch. Donc j'ai choisi de reprendre des vidéos sur Overwatch parce qu'en ce moment je joue beaucoup, j'ai une team. Donc ça me permet de, en plus de mes entraînements, de vous faire quelques petites vidéos. J'ai choisi de vous faire une petite série sur les petits tricks et les petites les petites capacités cachées des champions de Overwatch. Après je ferai peut-être genre des chemins de flanking avec Genji ou avec Faucheur. Mais pour commencer, on va faire le tuto Boost Jump de Genji. Allez, bonne vidéo, on se retrouve juste à la fin. Alors, pour commencer pour le training de Genji pour les Boost Jumps, ce que je vous conseille tout d'abord, c'est de lancer une partie personnalisée, d'aller dans les paramètres, et donc de mettre échauffement, comme ça vous n'aurez pas de soucis avec les timers de la map. Ensuite, vous mettez donc aucun pour toutes les maps, et moi ce que je vous conseille, c'est de mettre Ilios. Donc Ilios, c'est les meilleures maps, c'est la map où vous pouvez plus vous entraîner pour faire des World Jumps. Je vous montrerai après les petites séquences que j'ai prises. Ensuite, surtout aussi, pour éviter d'attendre votre dash, vous mettez les réductions cooldown à 0, enfin le temps de recharge pour capacité à 0%, vous enregistrez et vous lancez votre petite game, vous prenez Genji et c'est parti. Allez, à tout de suite pour les séquences de jeu. Et voilà, alors bienvenue sur Ilios. Alors donc vous devez sélectionner cette map, hein. Bon je pense que vous savez laquelle c'est. Vous devez vous situer ici, là où je suis lancé Shuriken. Et là attention, je vais faire un arrêt sur image. Alors attention, votre curseur doit se situer juste ici. Vraiment, c'est très important, il doit se fixer au niveau de l'arrêt, là où j'ai montré. Et donc du coup à ce moment là, à partir du moment où vous avez le curseur bien placé, vous appuyez sur avancer, le dash, donc shift pour moi, ou alors votre bouton de souris, je sais pas quelle touche vous utilisez, et en même temps la touche espace pour pouvoir monter sur la rambarde. Tout ça en même temps, ça c'est la première étape, c'est le côté débutant du jump de Genji, c'est pour vous apprendre à voir comment ça se passe. Donc du coup vous habillez tout en même temps et normalement vous devez vous lancer très haut et vous pouvez lancer même votre ulti comme je le fais. Donc du coup c'est assez simple. Ça reste encore bon le côté débutant. Je vous invite à tester à fond jusqu'à ce que vous puissiez maîtriser ça et après vous pourrez passer sur des jumps un peu plus compliqués. Voilà, donc si vous voulez vous pouvez aussi le faire sur un Amura, ça marche très bien aussi. Et voilà, de retour sur Ilios, maintenant place au tuto des vrais jump Genji. Donc vous allez vous mettre à l'endroit où je mets les shurikens devant le pont bleu, vous allez sauter ou double saut comme vous le souhaitez, vous allez dasher à partir du moment en fait où le curseur sera au niveau de l'arête du pont bleu, niveau supérieur. Je vais vous faire des arrêts sur l'image de toute façon, voilà. Là, à ce moment-là, vous êtes bien placé, votre curseur est bien mis, vous devez dasher. Donc vous dashez, à partir du moment où avec le dash vous arrivez sur le pont, vous devez appuyer sur la barre espace vers l'avant pour pouvoir faire votre jump. C'est-à-dire que vous allez dasher et juste au moment où vous allez sur le pont, paf, vous appuyez sur espace vers l'avant et normalement ça devrait passer. Après, c'est un timing assez serré qu'il faut avoir et à travailler. Donc après, vous pouvez faire ça sur plusieurs endroits de plusieurs maps. Ce que je vous invite à faire, c'est sur Ilios, c'est le plus simple. En plus, ce passage-là est très sympa pour aller chercher la personne qui potentiellement corrompt au fond dans la maison. Donc c'est assez sympa. Après, comme je vous ai dit, vous pouvez tester ça sur d'autres maps différentes. Et voilà, c'était le tuto Genji pour les sauts boostés. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me demander si vous n'avez pas trop compris. Je vous explique la marche à suivre. Je vous mettrai en description à peu près la suite de touches à faire. Bon, excusez-moi, je n'ai pas mis le petit logiciel qui permet de faire ça. Mais bon, faute de temps et faute de moyens, je n'ai pas fait. Mais n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez des soucis par rapport à ça. Donc oui, n'hésitez pas donc à commenter, à liker, à aller voir mes réseaux sociaux et bientôt je ferai plein de petites vidéos sur les routes de flanque avec Genji, avec Faucheur, avec plein de personnages, les placements en défense aussi par rapport à certains persos, bref, tout plein de vidéos. Sur ce, très bientôt.